aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce maquillage. Franchement, j'adore. Vraiment, j'adore. Je fais que me regarder dans le retour parce que c'est magnifique. Franchement, je m'adore comme ça. Bref, je sais pas si vous avez la référence. Si jamais vous savez pas qui je représente, c'est la poupée Cynthia. C'est la poupée de Couette Couette dans les Razmoquettes. C'est un dessin animé des années 90. Donc voilà, si vous êtes né peut-être dans les années 2000, vous... peut-être que vous connaissez pas. Je sais qu'après les Razmoquettes, il y avait eu les Razbitum, c'est quand ils ont grandi, puisque ce sont des bébés. Et dedans, donc, Couette Couette, c'est la méchante, c'est Angelica. Elle a une poupée qui s'appelle Cynthia, et qui est comme ça, en fait. Et du coup, j'ai recréé cette poupée. Franchement, j'adore. J'espère que vous aimerez tout autant que moi. Je ne parle pas plus longtemps, et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Nous allons commencer par mettre la calotte. Donc, pour mettre une calotte, il faut impérativement que vous ayez les cheveux tirés. Là j'ai mis du gel, il faut vraiment que tout soit bien plaqué, que le gel soit sec bien sûr. Et donc ma calotte, moi je la prends toujours chez Criolan, je les trouve très bien. Donc c'est des calottes, ce sont des calottes pardon, en glaçant. Après vous pouvez vous fabriquer votre propre calotte avec du latex, mais franchement moi je trouve que ça coûte cher les calottes hein, quand même. Elles sont quand même beaucoup mieux celles-ci je trouve. Et donc vous avez... ici, un petit autocollant qui indique que c'est la partie à mettre à l'avant. Je sais plus s'il y a des tailles, je crois. Moi, j'ai pris la taille small. Je crois qu'il n'y avait pas le choix, en vrai. Mais c'est assez extensible, donc je vais mettre... Hop, ici. Bon, je vous ai déjà montré 100 fois pour ceux qui suivent toutes mes séries Halloween, mais bref. Ça se met comme un petit chapeau, comme votre bonnet de piscine, quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas mis un bonnet de piscine, d'ailleurs. Ah! Putain, va falloir le mettre sur les oreilles, mais alors j'avais oublié que j'avais 50 milliards de piercings par rapport à l'année dernière. On va venir dégager les oreilles après. Donc en gros, là, il faut vraiment que la calotte, elle soit mise, qu'il n'y ait pas de mou à ce niveau-là. Moi, à l'arrière, j'ai juste une petite queue parce que je m'en fiche de l'arrière, mais si jamais vous sortez, il faut que vous fassiez quelque chose de très plat hein, à l'arrière pour pas que ça fasse une bosse. Et ici, on va venir prendre une petite paire de ciseaux et on va venir juste se dégager la vision parce que c'est quand même fort désagréable. Donc, vous pouvez la mettre aussi par-dessus vos sourcils si vous voulez. Moi, j'aime pas. Je préfère cacher mes sourcils à part, mais ça dépend les maquillages en vérité. Enfin, pour celui-là, en tout cas, je vais le découper jusqu'à... Vous voyez, la racine de mes cheveux est là, ben, un petit peu avant. Voilà, on va dire comme ça. Et au niveau des oreilles, pareil, il faut que ce soit bien comme ça. Je vais commencer à découper. Il faut une petite marge hein, quand même sur la peau. Il ne faut pas que ce soit au ras-ras de la pousse des cheveux. Parce que ça ne vous laisse pas une grande marge sinon d'erreur. Voilà, je vais couper jusque là. Ensuite, je vais dégager mes oreilles. Ça dépend les maquillages encore une fois. Mais moi, là, je veux que mes oreilles ressortent. Ah, je vais les libérer, ça va me faire du bien. Pareil, faut pas trop couper. Faut vraiment que ça passe hop, derrière, sans faire de pli au maximum ici, même si il va quand même y en avoir un petit peu. Bon, écoutez, tant pis. Et là, ici, normalement, il faut couper ce qu'il y a en trop également. Donc une fois qu'on a fait ça des deux côtés, on va venir coller. Donc pour ça, je vais utiliser de la colle à postiche tout simplement. Et là, pour le coup, je vais venir coller au maximum proche de la racine de mes cheveux. Donc vraiment dessous ici et surtout les bords. Je fais morceau par morceau pour bien surtout aplatir ici les bords. C'est vraiment important de bien tirer votre calotte. Pour pas qu'il y ait de plis, parce que s'il y a des plis après ça va nous poser problème quand on va se maquiller. S'il n'y a pas de colle jusqu'au bout c'est pas très grave, il faut vraiment qu'il y en ait quand même au max. Là vous voyez on a peut-être pas assez. Ce qui est pratique c'est que ça se voit en transparence. Ça met un petit temps hein, à coller donc faut pas être trop pressé. Ici au niveau des oreilles, pareil on vient bien tirer et maintenir. J'ai fait ça donc tout le long ici, même à l'arrière, et avant de faire mes raccords, je vais attendre que la colle sèche. Donc en attendant, je vais venir cacher mes sourcils. Pour ça, je vais prendre une colle. Moi, c'est celle de chez Elmer's. Franchement, vous pouvez prendre une UHU, vraiment, peu importe. Et je vais vraiment venir en mettre partout sur mes sourcils. Si vous avez des petits poils qui partent, c'est pas très grave. Ils seraient partis de toute façon, parce que vous savez, les poils, ça tombe. Hein. Et je ne sais pas où j'ai mis mon petit peigne en métal, donc j'ai trouvé ça.
que j'avais reçu de chez Pink Oni. En fait, quand vous achetez le truc, vous avez ça qui arrive avec. Mais alors, je trouve que c'est très très mal fait parce qu'il est incurvé. Du coup, bah, il peigne que dalle, mais j'en ai que ça. Donc, je vais essayer de me débrouiller avec ça. Oh, ça va être compliqué. Ah, je galère. Comme quoi, les bons outils, c'est vraiment important. Là, je vais aplatir au max mes sourcils, mes poils, je veux dire. Donc, je les brosse vraiment dans le sens de la pousse du poil. Je ne sais pas qui a développé ces petits peignes, mais je pense que c'est vraiment... Personne n'a été ingénieur sur ce produit, c'est pas possible. Je trouve ça totalement débile. Enfin, pourquoi ne pas faire un truc droit, en fait? On dirait un truc pour les poupées. Ça tombe bien, on fait une poupée aujourd'hui. Une fois que c'est fait, on va venir enlever la colle qu'il y a sur la peau autour. Donc, pour ça, il nous faut une lingette démaquillante. Je la mets autour de mon doigt et ensuite, je vais venir vraiment enlever et être sûre que tout est enlevé. Comme c'est transparent, il faut bien vérifier. Donc, je fais attention quand même à ma calotte parce qu'elle est quand même proche. Mais il faut vraiment vous mettre au ras des poils et vraiment enlever tout ce qu'il y a sur la peau. Parce que si vous ne l'enlevez pas correctement, après quand vous allez vous maquiller, ça va se voir. Et donc du coup, bah, ce sera pas joli. Donc il faut vraiment faire ça avec minutie. Une fois que c'est fait, on va venir prendre une poudre libre, transparente, enfin blanche idéalement. Moi je prends celle de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est la teinte translucente. Et avec une houppette, j'en mets un petit peu au bout comme ça. Et je vais venir... en mettre vraiment une bonne couche sur mes sourcils. Ça va permettre de combler les petites stries qu'il peut y avoir entre chaque poil pour que ce soit le plus plat possible. Alors vous obtiendrez jamais un truc ultra ultra plat, mais au moins ça limite un petit peu les dégâts, on va dire. Maintenant, pour venir neutraliser la couleur, j'utilise le correcteur de chez Huda Beauty en teinte Pink Pomelo. Je trouve vraiment qu'il marche trop bien sur les sourcils. Donc j'en applique sur mon sourcil comme ça. Et ensuite, avec un pinceau, je vais venir tapoter sans trop déplacer la matière et sans trop déborder non plus. Maintenant, je vais m'occuper de mes petits raccords sur la calotte. Donc, je prends mon acétone avec des petits cotons-tiges. Je trempe mon coton-tige dans l'acétone directement. Et ensuite, je vais venir vraiment mettre sur... les bords, et en fait ça va faire fondre le gladzan. Le gladzan, c'est la matière de la calotte, donc faut bien imbiber et faut bien insister pour que ça s'intègre bien dans la peau, et donc ça va venir fondre les petits plis, etc. Donc c'est assez long, c'est important de le faire pour pas qu'il y ait trop de démarcation après. Il faut bien, comme je vous ai dit, imbiber votre coton. Et je vous ai pas dit, mais je n'ai pas mis encore ma base, hein. Il faut la mettre vraiment après tout ça, sinon ça n'adhère pas bien. Que ce soit la calotte, mais aussi les sourcils. Donc je vais faire ça tout le long. Mes raccords sont faits. Maintenant, je vais repasser un coup de poudre au niveau de mes sourcils. Donc comme tout à l'heure avec ma petite houppette, j'aime bien attendre que ça sèche un petit peu. Je trouve que c'est plus efficace au niveau du rendu. Voilà, là mes sourcils sont terminés. Bon, faut pas mettre non plus trop d'épaisseur parce que sinon après ça se voit puisqu'on va rajouter du maquillage. Du coup là, je vais mettre ma base. Je vais prendre la Glow Screen de chez Supergoop. Franchement, ça n'a pas d'importance, moi c'est celle-ci qui était sortie, donc je vais mettre celle-là. Et je fais juste attention de pas en appliquer sur... J'en mets que sur ma peau en gros, j'essaye de pas en mettre sur la calotte ni sur mes sourcils. Maintenant, je vais appliquer mon fond de teint. Donc, je vais prendre le Beautiful Skin de chez Charlotte Tilbury en teinte 1N. Et je vais l'appliquer exactement comme d'habitude. Et là, je peux l'appliquer par-dessus, bien sûr, la calotte et les sourcils. Bon, mes raccords sont pas trop mal au niveau de la calotte. Donc ça, c'est cool. Je pense que pour mon crâne, il me faudra que je mette un peu de correcteur. Parce que c'est très très bleu, on va dire. Comme les sourcils, ça fait un peu. Donc je mets une fine couche là de fond de teint par-dessus. Je vais réappliquer de l'anti-cerne, donc je mets pas une grosse couche, ça sert à rien. Sur mon crâne, je vais commencer avec ça. Alors sachez que le gladzan, donc la calotte, c'est une matière qui est assez poreuse, donc ça transfère sur les cheveux. Donc j'allais vous dire, faudra penser à vous laver les cheveux après, enfin faudra le savoir. Mais en vérité, vu que vous avez le gel, c'est assez logique. Et vous voyez, ça fait quand même une différence par rapport à ma vraie couleur de peau qui est plus rosée. C'est normal, donc je vais, je pense, rajouter un peu de orange. Je vais mettre le correcteur, tant pis. Au moins pour l'avant, vous voyez, c'est la couleur, elle commence à être quand même un peu, petit peu plus
C'est de la colorimétrie, hein. Un peu plus raccord avec ce que j'ai sur mon teint. Voilà, là je trouve que j'ai trouvé une bonne couleur pour le crâne. Je trouve que ça fait vraiment bien, j'adore. Maintenant je vais passer à mon anti-cerne, je vais prendre le Hourglass, c'est le Vanish Concealer en teinte crème. Donc, je l'applique au niveau de mes cernes bien sûr, mais également au niveau de mes sourcils du coup. C'est un petit peu plus pigmenté, enfin plus couvrant plutôt, que le fond de teint. Donc je l'intègre, j'en mets aussi un petit peu, enfin je le dégrade au niveau de ma paupière mobile. Et ensuite au niveau de mes sourcils pour bien que ce soit couvert. Il y a toujours un peu de volume, surtout celui-là je l'ai bien raté puisque c'est le premier que j'ai fait. Du coup j'étais un peu galère tout à l'heure avec le petit peigne. J'espère que ça va aller, il n'est pas ultra plat, dommage. Voilà, là on a terminé le teint. Franchement je le trouve vraiment pas mal. Je trouve que mes raccords on les voit pas trop, j'ai bien travaillé. Je suis contente. Je vais maintenant prendre la Curve Case Light de chez Made by Mitchell. Et je vais prendre une couleur que j'ai jamais utilisée encore. La teinte qui est juste là, c'est la teinte Holozer. Ah ! En fait, c'est les mêmes teintes que les bronzers en crème. Enfin, les petits blushs et tout. En fait, oui, c'est les mêmes teintes, je suis bête. Mais c'est une texture différente. Bah écoutez, elle me paraît très bien. De toute façon, c'est celle que j'ai. Les textures sont vraiment beaucoup plus crémeuses. Ça sèche pas, c'est très très gras par contre. Je vais prendre un pinceau comme ça. Et d'ailleurs, c'était pas celui que j'avais prévu. Bon, bref, je vais venir structurer un petit peu mon teint avec. Donc, au niveau des joues. Ah, elle est trop trop bien cette teinte, c'est parfait. Ensuite, je vais faire mon contouring un peu classique. Hein. Un peu ici. Et alors, au niveau du crâne, je vais pas faire trop en vérité. Parce que j'ai peur que ça accentue un peu trop. Un peu au niveau des tempes, je vais faire. Je prends mon éponge ici pour venir dégrader ce que je viens de faire au pinceau, puisque c'est pas nickel nickel. Je préfère l'éponge. C'est toujours un plus joli rendu. Et je vais en appliquer aussi au niveau de l'ovale de mon visage. Bon, je dépose et ensuite je vais venir dégrader avec mon éponge. Et pour mon blush, je vais prendre la teinte qui est ici, donc c'est la teinte Cold Heart. Je sais pas si je l'ai celui-ci. En tout cas, je l'ai déjà utilisé, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette palette en vérité. Moi, je poudre, mais eux, ils la vendent comme un truc vraiment très glowy et tout. Par contre, c'est très très gras, donc ça sèche pas quoi. Ça reste gras. C'est vraiment des baumes. Et je vais faire un blush un peu sous l'œil. Enfin, un peu. Carrément sous l'œil d'ailleurs. Donc je le mets ici. Et je l'étire vers les tempes et je descends un peu. Donc je vais faire un maquillage de Cynthia, pas vraiment celui de la poupée en mode dessin animé et tout, parce que j'ai pas envie de faire ça. Et surtout, elle a pas vraiment de maquillage, enfin, elle a juste des gros yeux ronds. Donc on peut être assez créatif, on peut donner vraiment l'effet qu'on veut. Moi je vais faire un truc un peu en mode dark, un peu style Halloween quoi. Mais je veux qu'elle reste pas cartoon quoi, vraiment comme si c'était une vraie fille quoi. Et je vais venir poudrer. Donc moi je vais poudrer avec la Prisme Libre. Alors ça c'est une teinte qui était en édition limitée pour Noël. C'est la numéro 12. Mais j'utilise la numéro 2 en temps normal. C'est assez similaire. Celle-ci est un peu plus claire. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ah oui, non, attendez. Avant d'utiliser celle-ci, je vais prendre la Secret Brightening Powder for Under Eye. Chez Laura Mercier. Donc je commence par poudrer mon dessous d'œil avec. Et là, je passe donc à ma Prisme Libre et je vais poudrer l'ensemble de mon teint avec. Vraiment, partout, menton et je vais faire le crâne également. Écoutez, je dois vous dire, donc là, j'ai tout poudré, le crâne et tout. Alors, quand on poudre, ça a tendance toujours à un petit peu mettre en relief les petites imperfections de vos raccords. Il y en avait quelques-unes ici que j'ai enlevées avec un petit goupillon, mais vous voyez, mes raccords ici se voient un petit peu. Ils sont mieux de ce côté. Plus c'est irrégulier au niveau des raccords, moins ça se voit. Et c'est le cas ici, j'ai vraiment fait des trucs un peu en dents de scie. Ici, c'est un peu trop net. Et du coup, malheureusement, ça se voit un petit peu. Mais bon, après, je vais me maquiller. Écoutez, ça se verra moins. Mais écoutez, je dois dire que je trouve que ça me va pas trop mal, le sans poils. Franchement, sans cheveux et sans sourcils comme ça. Franchement, moi, j'aime bien. Bref,
passons. Donc maintenant, je vais repasser un petit peu sur mon contouring. J'aime toujours mettre en crème avant et ensuite repasser avec une poudre. Je trouve que le résultat est plus joli, mais bon, c'est optionnel. Si vous devez n'en choisir qu'un, prenez plutôt la poudre. Je trouve que c'est plus facile de doser. Je vais prendre un pinceau biseauté avec la palette Studio Fix Sculpt & Shape en teinte Light Medium de chez MAC. Et je vais prendre la teinte qui est au centre ici. Je trouve que les teintes de contouring, franchement, par exemple ces deux-là, je ne vois pas du tout de différence. Peut-être une un peu plus rosée que l'autre, mais franchement, je vois pas vraiment. C'est un peu dommage. Je sais pas si je vais repasser au niveau des joues, vu que je fais le blush là, donc je dirais plutôt non. Mais je pense que je vais repasser peut-être un peu ici, juste au niveau des tempes, pas trop au niveau du front, vu que quand même, il s'étend un peu. Je dis pas trop au niveau du front, et c'est ce que je fais. Donc un peu au niveau du nez ici, un peu au niveau de la bouche, et surtout cette partie-là. Je vais faire pareil avec mon blush, je vais prendre le Dior Rosy Glow en teinte pink. Je crois qu'ils l'ont reformulé et qu'il est peut-être un peu mieux maintenant. Enfin, il est bien, hein, mais il est assez sec. Donc je vais repasser en dessous là de mon œil. J'aime trop la teinte, c'est vraiment un rose super froid. Je le trouve très très joli. Je descends un petit peu, c'est vraiment pour l'intensifier. Maintenant je passe à ma première palette en collaboration avec Sephora. Je vais prendre la teinte Sarcasme, donc c'est un blanc mat, et je vais venir faire mes points de lumière avec. Donc je commence au niveau du nez ici, que je vais remonter au centre du front. Je viens d'appliquer également sur les sourcils ici, qui franchement, celui-là il est vraiment trop mal caché, il est horrible. Lui il est beaucoup mieux, vous voyez, il est plus plat, j'ai moins galéré, et surtout j'ai moins attendu en fait, parce que j'ai galéré avec mon peigne. Ah oui, parce qu'entre temps, je vous avais pas dit, parce que je l'ai fait hors caméra, mais j'ai retrouvé mon peigne, je l'ai reperdu là. J'ai retrouvé mon peigne, donc du coup lui je l'ai fait avec le bon peigne. Vous voyez franchement la différence que ça fait d'avoir des bons outils. C'est vraiment important. Si vous voulez rire, le peigne était juste devant moi. C'est pour ça que je le voyais pas, je pense, puisque je le cherchais à sa place, tout simplement. Donc hop, au niveau du menton. Là, le but, c'est d'avoir vraiment un truc qui est quand même assez contrasté. Que je vais faire des yeux qui sont assez noirs. J'en mets un peu ici vite fait, mais je vais pas trop en faire. C'est juste pour dégrader mon blush, et voilà. Allez, on va pouvoir passer aux sourcils. Pour les sourcils, Cynthia, les sourcils, c'est un petit fil comme ça, donc je vais, écoutez, reproduire ça avec le Epic Ink Liner de chez NYX. Écoutez, je n'ai pas le droit à l'erreur, donc je vais les faire par-dessus. Oh là là, franchement, il me dérange, celui-là, ça me gonfle qu'il soit moche comme ça, mais bon, bref. Bon, je suis mes sourcils à moi, quoi. Oh, j'adore! Dans le retour, je vois pas trop les défauts, du coup, c'est joli. Donc, s'ils sont pas asymétriques, c'est pas très grave. Oula! Pour les yeux, je pense que je vais partir sur un smoky. Donc, pour ma base, je vais prendre les Color Case de chez Made by Mitchell. Là, je prends celle qui est grise, comme ça. Je sais pas les noms, c'est pas marqué dessus. Donc, vous aurez ça dans la barre d'infos. Il y en a 4 différentes. C'est vraiment parfait. Alors, ce sont des bases qui sont quand même assez sèches. Voilà, des fois, je les dilue avec le Duraline de chez Inglot. Excusez-moi, j'ai le Covid. C'est pas vrai. Enfin, je sais pas, je me suis pas fait tester, mais non, je suis pas malade. C'est juste que j'ai toussé. Bref, comme il y a une recrudescence de Covid. Ce n'était pas poudré sur ma paupière mobile, donc ça tombe très bien. Je vais prendre un gris assez chaud. Il y a un gris chaud ici qui me paraît pas mal. C'est la teinte Mani. Je pense que je vais le mettre sur toute la paupière, celui-ci, pour commencer. Donc moi, je prélève toujours avec une spatule. Je mets jamais mon pinceau dedans parce que c'est un peu dégueu. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière. Je pense qu'un smoky, ça va être pas mal. Je veux vraiment un truc un peu dark, mais pas trop dark non plus. Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile, vous voyez, jusqu'au pli paupière ici. Il n'y a rien qui est poudré sauf le sourcil. Donc il ne faut pas poudrer quand vous utilisez une base grasse. Vous pouvez aussi utiliser un crayon. Hein. Mais si vous poudrez, en fait, ça va être difficile à travailler et à dégrader derrière. Donc il ne faut vraiment pas poudrer votre paupière. Et ensuite, je prends un autre pinceau. Personnellement, je trouve que c'est plus simple. Donc un 231 de chez Zoeva pour ma part. Et je vais dégrader au niveau de ma paupière mobile ici pour pas que ce soit net et que ce soit un peu dégradé, mais sans trop monter non plus. Il faut que ce soit uniforme. Plus la couche est fine, mieux c'est. Et je le fais également ma base Annie au niveau de mon ras de cils inférieur. Et j'oublie pas mon petit coin interne aussi. Il faut vraiment que tout mon œil soit entouré. Et là, hop, je dégrade.
Je vais ajouter un peu de foncé. Alors j'hésite entre le gris foncé ou le noir. Je pense que je vais prendre le noir carrément. Voilà, c'est la teinte Dark Soul. Je garde le même pinceau et je vais l'appliquer ici. Comme ça, j'ai ma base. Je suis tranquille, ça va plus vite. Donc, coin interne de la paupière mobile et coin externe. Pas besoin que ce soit ultra intense. Je les dégrade avec le même pinceau que tout à l'heure. Faut quand même agir vite parce que j'ai l'impression que ça sèche. Enfin, c'est pas la première fois que je les utilise, hein, mais en fait, je crois que je n'ai jamais fait attention si ça séchait ou pas. Mais je crois que oui. J'en mets aussi à mon ras de cils inférieur et je vais pareil venir le dégrader. Pas que ça fasse un trait quoi. Je prends maintenant ma deuxième palette en collaboration avec Sephora. J'espère que je ne me suis pas fait un petit truc dans le sourcil, déjà qu'il est moche. Donc la deuxième palette Sephora et je vais prendre la teinte Galaxy. Je crois que c'est la première fois que vous allez voir, que vous allez me voir l'utiliser en vidéo. J'avais utilisé sur le jour du shoot, mais pas en vidéo. Et je vais prendre un petit pinceau, donc un 230 de chez Zoeva. Et je vais venir le mettre par-dessus les points plus foncés que j'ai mis tout à l'heure au niveau donc, de la partie externe de ma paupière mobile et de la partie interne. Donc à ce niveau-là, vraiment c'est un fard qui est trop beau. Et je viens également reporter la même teinte au ras de cils inférieur. Donc là où j'avais... Enfin vraiment ras des cils. J'essaye de le faire pas trop épais puisque je vais avoir des teintes qui vont venir dégrader après. En revanche, j'entoure bien tout mon œil. Donc même au niveau du coin interne ici, je relie. Et pareil au niveau du coin externe ici, il faut que ce soit relié avec le haut. Je passe ensuite à la teinte charbon qui est un anthracite assez foncé et je prends le 231 que j'ai utilisé tout à l'heure. Je l'ai juste essuyé pour pas qu'il y ait de gras et je vais venir relier les deux formes que je viens de faire au niveau de mon pli paupière. Je remonte pas trop parce que je vais appliquer une autre teinte de transition. C'est juste pour faire ma structure ici. Je dégrade bien sûr pour pas que ça fasse un point avec à ce niveau-là. J'ai l'impression que j'ai du mal à parler dans cette vidéo, j'espère que c'est clair. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné en vérité en parlant. Même si vous voyez les vidéos de manière assez régulière. D'ailleurs demain je vais chercher mes gouttières pour mes dents. Donc dans les prochaines vidéos bah, vous me verrez avec les gouttières. Je vous expliquerai ce que je fais sur mes dents et tout. Parce que ça va être un gros chantier jusqu'à l'année prochaine. Parce que je vais me faire également... Bah bref, je vous en parlerai. Et je fais la même chose également au ras de cils inférieur, bien évidemment. Pour venir dégrader et relier. Donc coin interne ici et coin externe là. Là, je vais prendre de nouveau ma première palette. Et je vais prendre la teinte Angoisse qui est le beige pour venir l'appliquer ici. Ça va me permettre de pouvoir dégrader. Parce que pour l'instant, comme je vous ai dit... Bah, c'était pas poudré, donc ça accroche un petit peu. Et là, je vais passer à ma teinte de transition. Donc ça va être important de venir poudrer là. Et toujours dans ma première palette, je vais prendre la teinte Pénélo. Donc c'est un gris assez froid. Et ce sera donc ma teinte de transition ici, pour faire vraiment quelque chose de très fumé. Donc j'hésite pas à aller quand même assez haut. Je veux pas toucher le sourcil, hein, mais je veux quand même aller assez loin. Plus je vais loin, plus le dégradé sera fumé et plus ce sera joli. Et je fais également la même chose à mon ras de cils inférieur. Là, pareil, je peux me permettre d'aller assez bas. Et j'oublie pas, bien sûr, le coin interne. Je repasse à ma palette numéro 2. Je vais tout le temps switcher. Je prends la teinte métal avec un pinceau plat ou avec votre doigt, comme vous voulez. Et je vais l'appliquer au centre. Donc en dégradant, je peux pas juste le poser et faire un petit rond bizarre. Et dans la première palette, je vais prendre la teinte Château qui est le argenté avec un petit pinceau. Et je vais venir en appliquer un petit peu dans mon coin interne, juste ici, pour illuminer quand même un petit peu. Et je pense que je vais même en ajouter un petit peu, mais vraiment juste au centre ici pour encore accentuer un peu plus le volume. Maintenant, je vais prendre le Creamy Cool de chez Huda Beauty, donc le noir, et je vais en appliquer dans ma muqueuse inférieure et supérieure pour vraiment accentuer cet effet smoky.
C'est vraiment, franchement, c'est mon crayon noir préféré. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pour un crayon noir. Si, quoique, j'aimais bien Too Faced. Mais celui-là, il est rétractable, c'est plus pratique. J'ai rajouté mes faux cils, donc en haut, et j'en ai mis aussi en bas, avec bien sûr du mascara. Je vais passer à la bouche. Donc, Cynthia, elle a une bouche quand même assez grosse, donc je vais faire un gros overline. Et elle a la bouche rose, donc je vais faire la bouche rose. Je vais prendre le crayon à lèvres Edge to Edge, et je vais m'en servir pour faire le contour de mes lèvres. Donc, je vais quand même faire quelque chose de très overline. Et je vais overliner également au niveau des commissures, parce qu'elle a quand même une bouche qui est assez épatée au niveau des commissures. Donc, je vais essayer de reproduire ça, tout en restant quand même quelque chose assez harmonieux. Une fois que j'ai mes lèvres dont le contour est fait, je vais venir crayonner vraiment sur les côtés, partout en fait, pour venir colorier. Je vais laisser à peu près le centre vide pour venir mettre une autre teinte, un peu comme je fais d'habitude, mais du coup c'est un peu plus étendu. J'estompe un peu au centre comme ça. Et donc là maintenant je vais pouvoir utiliser mon gloss. Je prends un gloss un peu plus clair, c'est le Milkshake For Me de chez Made by Mitchell, et je vais l'appliquer ici au centre. Il est super pigmenté, enfin on voit bien la couleur. Je l'applique finalement, le centre c'est mes lèvres naturelles, et je vais venir juste tapoter pour pas qu'on voit trop la différence. J'ai juste foncé un peu les contours avec un autre crayon. C'est pas du tout celui-là, c'est celui-là de chez Colourpop, c'est la teinte On Ice. Voilà, c'était juste pour que ça fasse un dégradé un peu plus grand. Et maintenant on va passer, j'ai trop hâte de mettre le truc final, le costume final. Donc là je vais reprendre mon liner de chez NYX. Je vais faire les petits points au niveau du crâne. Donc je vais les faire au niveau de là où j'ai mes cheveux normalement. Voilà, j'essaie de les faire à peu près en quinconce. Oh non, je voulais pas. Ça m'énerve. Je voulais pas faire un point raté. Si même je rate les points maintenant. Donc voilà, je les fais quand même à distance égale. J'adore. Voilà, donc j'en ai fait des un petit peu plus gros pour rattraper ma bêtise de tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Et là, je vais mettre la pièce maîtresse de mon maquillage. C'est ce serre-tête que j'ai fabriqué. Écoutez, j'ai mis 2 heures à le faire. Vraiment, je rigole pas. Non, 1h45, un truc comme ça. C'était long et chiant à faire. En gros, j'avais demandé à Christophe, vous savez, pour le shoot Sephora, il m'avait fait des mèches dures comme ça. Donc, j'avais demandé comment il avait fait. Lui, il avait utilisé du gel avec sèche-cheveux et ça marche que sur les cheveux naturels. Donc en gros, je me suis dit, je vais galérer, donc j'ai acheté des cheveux synthétiques, déjà, parce que c'est moins cher. Et de la colle en bombe, insert-tête, et du coup, je les ai collés avec pistolet à colle. Ce qui les fait tenir comme ça, c'est la colle en bombe. J'en avais plein les doigts et tout, franchement, c'était une horreur, là, j'ai enlevé. Mais d'ailleurs, une petite astuce, si jamais vous avez de la colle sur les doigts, prenez une lime à ongles et limez bien tout. Ça sera beaucoup plus simple que d'enlever, croyez-en mon expérience. Donc voilà, je vais le mettre. Vraiment, j'espère que ça va bien rendre parce que je suis trop contente de ce truc. C'est incroyable. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, alors là, vous savez, je crois vraiment qu'en fait, c'est ça que je veux faire si je vais à une soirée Halloween. Mon Dieu, c'est formidable. C'est merveilleux. Du coup, je me demande si c'est pas un peu trop grand, les trucs. Je pourrais peut-être les couper un peu. J'avais laissé grand exprès. Je sais pas. Ouais, finalement, j'ai coupé un petit peu les trucs. Mais c'est mon look préféré, je crois. J'adore. Écoutez, je pense que c'est mon look préféré, toute année confondue. Vraiment, je trouve ça génial, j'adore depuis le temps que je veux la faire. Franchement, je voulais la faire l'année dernière, mais j'avais pas eu le temps. Et franchement, je suis trop contente de l'avoir fait cette année. Oh là là, je l'aime trop. En plus, c'est trop cool, vous pouvez faire vraiment le maquillage des yeux que vous préférez. Ça, vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le petit serre-tête, c'est confortable. Enfin, franchement, c'est trop cool, ça fait trop d'effet, je trouve. Bref, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux parce qu'il y a du contenu qui sort là-bas et qui ne sortira pas forcément ici sur YouTube. Donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre là-bas, vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.